Bonjour! Ma meilleure intro. Bonjour à tous, c'est la grosse tête. Salut! Ça, messieurs, dames? Alors aujourd'hui, c'est le début d'une nouvelle aventure. Alors une aventure qui n'est pas sortie il y a 2 jours. Hein, une aventure qui est sortie il y a déjà un moment. Hein, il y a déjà un moment. Mais que je n'ai jamais faite, étant fan de. Hop, petit placement de produit. Que je n'ai jamais faite. Pourtant, je suis fan, hein, je suis fan de Resident Evil. Petit café, on va lancer ça ensemble. Je vais découvrir tout en même temps que vous. Ça va être un vrai plaisir. On va tout découvrir ensemble. Je lance le jeu. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Ok. Alors, attendez. Oh là, déjà il y a des avertissements de santé. Pas très bon cette histoire. Alors. Hop. Tac. Ah, j'entends quelque chose. C'est parti. Oh oui. Code de sauvegarde. Ça, c'est très bon. Alors. Langue des voix anglais, langue des tests français. Est-ce qu'on ferait pas... Wow. Français, français. On se la joue à la Frenchie. On se la joue à la Frenchie. Sous-titres, non. Est-ce qu'on se met les sous-titres? Oh, allez, pour le moment. Ok. Non, ça va, normal. Couleur des sous-titres. Blanc. Arrière-plan de... Ah, putain, la vache. Ils en proposent des choses, hein? Ethan. Non. Réticule permanent. Ah! Oh non, pas besoin. Pas besoin, on continue. Alors. Voilà. Pour moi, c'est à peine visible là. C'est à peine visible. Bon, c'est à peine visible là. Est-ce que l'image de gauche disparaisse? Voilà, je peux pas la voir. Petit réglage. C'est parfait. Allez, s'il vous plaît, hein. Allez, bâtard. Ça met du temps, ça met du temps. Donc oui, Resident Evil Village. Oh! Bah attendez, on va se regarder un petit résumé là de Biohazard. Si c'est la suite directe, on se le regarde ce petit résumé là. Alors qu'est-ce qui se passe? Ok. Par où commencer? Petit résumé là. Mon nom, c'est Ethan. Ethan Ok. Winters. Cette histoire chez les Baker, ça s'est passé il y a 3 ans. Ok. J'étais à Et la je l'ai fait recherche de ma femme celui-ci. disparue. Elle m'avait envoyé un email. Elle m'a Jusque-là, demandé d'aller ouais. la chercher. Et c'est comme ça que j'ai atterri au milieu de nulle part, en Louisiane. Ok. J'ai Ça retrouvé Mia je l'ai alors fait. qu'elle était retenue prisonnière dans un sous-sol. Ouais. Mais elle n'était plus la même. Elle m'a attaqué comme une bête féroce. Plus tard, j'ai découvert qu'elle avait été infectée par une sorte de moisissure. Tout à fait. J'ai fouillé la maison à la recherche d'un antidote, d'un vaccin ou autre. Les gens qui vivaient là étaient eux aussi infectés. Ce qui restait d'eux n'avait plus rien Ah, d'humain. bonjour monsieur! Bonjour monsieur, La quel source de plaisir. Il y a l'infection était donc une arme biologique ayant la forme d'une petite fille. petite Elle s'appelait Evelyn. explication de celui d'avant. J'ai affronté cette famille de cinglés. Et j'ai réussi à soigner Mia avec un sérum. Voilà, il était venu chercher sa femme, il a soigné sa femme, et c'était une famille intoxiquée par un virus. Et la Puis Chris c'est. Redfield et son équipe ont Ouais, exactement. débarqué et nous ont sauvés Voilà. tous les deux. Voilà. Ils ont sauvé le couple. Est-ce que ça ira? Oui. Bah J'ai alors. vraiment plus envie de parler de ce qui s'est passé. Oui, c'est bon, c'est bon. Donc en gros. C'est terminé maintenant. Oui, mais oh! T'énerves pas, mon grand, là!
Ah là 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 là! Ça y est, on est parti, purée, quel plaisir! Viens, installe-toi là, installe-toi, putain, mais installe-toi là, mets-toi bien, on est là! Alors, petit résumé, donc du hasard, un couple. Oh là là! Magnifique! Coucou monsieur, comment vas-tu? Merci beaucoup pour le prime, ça fait très plaisir ça! Pour le début d'une aventure, ça donne de la force! Pour la peine, on va le faire en difficile. On va se la foutre cette année. Alors, petit résumé du set, du coup. Un couple. En gros, la femme a été portée disparue. Son mari est parti à sa recherche. Il a vu une vidéo. Il s'est dit, hey, mais what the fuck, ma femme, peut-être que je la récupère. Bam! Il la récupère. Il va dans une famille de fous infectés par un virus. Ils sont intuables et machin. C'est un bordel monstre. Du coup, il essaie de trouver l'antidote parce que forcément sa femme l'avait aussi. Bam, il lui donne l'antidote. Bam, ça va mieux. Bam, ils se font sauver. Ils arrivent à buter tout le monde, machin. Et en fait, le virus, c'est une petite fille qui porte ce virus. Maintenant, on n'en sait pas plus. Ok. Alors déjà, on se calme. Et merci d'être là, messieurs. Merci d'être là. Aide à la visée, bien sûr, bien sûr, quoi. Bien sûr. Réticule, oui, couleur du réticule, ben bien sûr. Ouais. Ok. Wow! Alors, par contre, c'est le fenêtré. Non. Mais. Espèce de bâtard. Hey, espèce de bâtard! Attends, je suis où là? Oh! Ouais, je vais le faire en hardcore. Fin de l'histoire, c'est fini, ça y est. Non, ouais, on va le faire en hardcore, on va le faire en hardcore. Pas des. Oh, mandolé. Ouais, c'est ça. C'est un peu mon Everest finalement. C'est ça que je voulais, mode d'affichage. Voilà, et là, on est bien. Fenêtre sans bordure, voilà. Alors, vous avez toujours le jeu, tout se passe très bien. Hop, ouais, c'est parfait. C'est parfait, vous voyez bien tout ce qui se passe, vous voyez bien ma vieille chetron. Ok, c'est parti. Alors, je vais mettre en japonais sans sous-titres. Non, Let's go! Ah, on se la joue en difficile. Bon, je suis très excité, je suis très excité. Désolé, je suis presque hyper actif parce que j'adore découvrir un nouveau Resident Evil, c'est toujours un plaisir. En plus, celui d'avant, le 7, pour le coup, je l'avais fait. Pour ça que je retourne pas dessus. Je l'avais fait, c'était sympa. Alors, j'ai trouvé le mode de jeu très très sympa, mais voilà. Toujours des conclusions très très sympas. Ouais, bah oui. Pour le coup, Kaizen, regardez aussi, très très sympa. Les visuels sont magnifiques, très sympa. Wow! Vous allez souffrir. Ok. Oh putain! Est-ce qu'on se lance le chat? Est-ce qu'on se le fait en hardcore ou en standard? Est-ce qu'on se la tente en difficile en mode vas-y, on va souffrir sa race là? Allez, bon bah. Vous aimez me voir souffrir. Vous aimez ça? Purée. Allez, let's go, on y va! Ok! Donc là, je sais plus où ils en sont par rapport au petit coup. Ouais, le chat commence pas à faire des dingueries. Ok. Il y a bien longtemps, une petite fille s'en alla avec sa mère cueillir des baies pour son père qui travaillait d'arrache-pied. Mais la forêt les accueillit avec un silence froid et pesant. Les buissons étaient vides. Déterminée à trouver des baies, On est la petite d'accord. canaille lâcha Présentez la main de William. sa mère et disparut entre les arbres. Les cris inquiets de sa mère s'estompèrent rapidement à mesure que la fillette courait, Mais attends, c'est Resident Evil, oui. s'enfonçant de plus en plus dans la forêt. Commençant à se sentir observée, elle se rappela les histoires effrayantes que lui contait sa mère et sa gorge devint toute sèche. C'est Tim Burton, là. Le seigneur des chauves-souris Oh. apparut. Il la salua chaleureusement et se mordit l'aile. Viens, mon Ah. enfant, Bois du étanche miel. ta soif, dit-il. Elle but son sang noir et Oh. épais et Je sourit vous de aime. bonheur. Tandis qu'elle traversait un cimetière, des nuages menaçants recouvrirent le ciel et l'air se glaça Moi, elle soudain. est Tim Burton. Maigrement vêtu, l'enfant frissonnait, mais Oula! un tisserand sombre apparut, et d'un claquement de doigts, il transforma la Ah bah brume en oui! une robe magnifique.
quelle personne de confiance. Réchauffe-toi, dit-il. Ok. Elle enfila le vêtement et sourit de bonheur. Elle navigua sur des eaux profondes et sinistres, à bord d'un bateau qui, espérait-elle, la ramènerait chez elle. Mais la faim resserra son emprise et son cœur s'alourdit. Bonjour. C'est alors que le roi des poissons apparut et lui offrit l'une de ses nageoires. Viens, mon enfant, remplis ton estomac. La fillette mangea et sourit encore une fois de bonheur. Pourquoi tout le monde l'aide alors qu'ils ont tous l'air effrayants ? Continuant sa route, elle atteignit bientôt le cœur sombre de la forêt. Là, un destrier de fer apparut, paré d'un magnifique rouage en or. Waouh ! La créature ne dit rien quand la fillette s'approcha, pour saisir ce qu'elle pensait être un autre cadeau. Le cheval se mit en colère et appela les autres monstres. Le cœur de la petite fille s'emplit de peur alors qu'un vent féroce se leva autour des créatures. Soudain, vint une sorcière, ténébreuse et majestueuse. Voilà, bah, c'était bien. Franchement, j'ai bien kiffé. Plus Merci on t'en plus tu en veux, grogna-t-elle. Maintenant, nous réclamons notre dû. En un instant, la fillette fut emprisonnée dans un miroir. Oh, le petit... Bah, putain, c'est ça y est. Bien fait quand même, hein. La vache. Victor. Ouais, de ouf. Mais t'as pas des histoires moins flippantes? Elle a que 6 mois. Bah, elle a que 6 mois. Selon la vendeuse, c'est traditionnel. Ok. Un conte local. Et puis, ça n'a pas l'air de gêner Rose. C'est surtout qu'elle comprend pas. Et heureusement, on s'est installé ici pour qu'elle grandisse sans tout ça. T'as oublié? Ma mémoire fonctionne très bien. Oh là, oh là, oh là, oh là! Écoute, t'es trop parano. C'est juste... Non, laisse tomber. Désolé. Bah oui, après tout ce qu'ils ont vécu là... Je suis là, pas parano. Laisse tomber. Je suis prudent. Dans ce cas, va prudemment mettre ta fille au lit. Ouais, bah prudemment, bien te faire enculer. Je vais préparer le dîner. Oh, le bébé loulou! C'est la quéquette, ça? C'est la quéquette maman. Sympa, petite maison, là. Ta mère préfère oublier tout ça, mon cœur. Petite déco à l'ancienne. Je peux pas lui en vouloir. Bah, bien sûr. Je peux me déplacer, là. Waouh! Tu as dit quelque chose? Rien, je vais la coucher. J'ai rien dit, frère. Oh, la petite télé. Putain, c'est beau, hein? C'est beau, ça fait... Là, on est sur un jeu beau, quand même, hein. Oh, mon petit cœur, la loulou. Je vais coucher le bébé. Faut qu'on aille coucher le bébé. On s'allume une petite game, là. Petite game de Rocket League. Ah là là, c'est beau, hein. C'est beau, qu'est-ce que vous en pensez, quand même? Et là, waouh. Oh, le bébé, waouh, waouh. Purée, faut que j'arrête de faire... Non, ferme-toi, là. Ok. Y a pas du loot, là. Y a pas le Red Knight. Or, cucu. N'aie pas peur. Je l'ai dit à maman. Ah ouais, c'est beau. T'es hein. Un peu petite pour ce livre. Purée. Oh, viens, ma petite quéquette, là. Petite quéquette qui fait dodo, là. Maman et moi, on adore cette mélodie. Ah, oh. Bah oui, petit bébé. Je sais pas pourquoi je sens pas, là... Une ambiance chelou, leur maison, quand même. Bah, elle est immense, par contre. Qu'est-ce qu'ils nous font, là? Voilà. C'est la balle de sein. Elle est sous traitement depuis l'incident. Quoi? Ah bah oui. En même temps, je peux comprendre. Elle s'est fait agresser le cul. Ok. Oh. La chambre, elle doit être là-bas. Ok, pour le moment... Bah, on visite un peu, on visite un peu. C'est très sombre. Tu veux que j'augmente un peu la luminosité, mon petit loup, là? On peut augmenter la luminosité. C'est un peu mieux, là? Là, tu vois, là? J'ai augmenté un petit peu la luminosité. Je vais pas trop augmenter parce qu'il faut qu'on ait quand même un peu peur, hein, finalement. Ok. Ah, oula. C'est encore en désordre. Il va falloir que je nettoie tout ça avant que Rose fasse ses premiers pas.
Ah, c'est encore la chambre. Ok, fin de l'enquête sur l'incident de Duvey. Les investigations sur les émanations de gaz toxiques survenues à Duvey. La commission en charge de l'enquête a conclu que le drame était dû à un brusque dégagement de gaz naturel accumulé sous les rochers. Rappelons que cet incident a fait plusieurs victimes, dont Jack Baker et sa famille qui vivait dans les environs. C'est pas ça, c'est pas du. Ouais. Quant au Winters, qui semblait-il était également présent sur le lieu au moment de l'incident, on ignore toujours où il se trouve à l'heure actuelle. La zone a été intégralement fermée par les autorités qui estiment qu'il faudrait au moins 10 ans avant qu'il ne redevienne actif. Personne ne se souvient de cette histoire. Ouais, c'est dingue. Putain. Quel bon Dieu. Oh, un petit livre là. Château et donjon d'Europe de l'Est. Mouais. Mouais. Mouais, mouais, mouais. Ok, let's go. Après, c'est. On y Ça est arrive. presque, ma puce. Ah, ma se pue. Bien, ma petite se pue là. Bien, ma petite se pue. On va se coucher là. Ok, donc la petite chambre là. Viennent d'emménager, hein, visiblement. Mes habits de rose pour demain. Allez, viens que je te dépose là. Et voilà, mon ange. Petit bébé chou Ne là. t'inquiète pas. Je suis juste en bas. Papa ne laissera aucun vilain monstre t'attraper. Bien sûr, mets la cam. Jette! Arrêtez. Ma petite rose là. Ok. Ah oui, c'est un peu plus vivace là. Ok. J'entends des trucs. Qu'est-ce que c'est ici? Putain, mais elle est stylée la maison. Oh. Le bébé. Là, ce serait tellement. Je pourrais faire mes lives. Ça, J'aimerais que c'est. ça reste toujours comme ça. Je ferai une offre. Ok, très stylé. Petit résumé de. Qu'est-ce que c'est ça? Rosemary Winters. Examen, oui. Aucun trouble apparent. L'enfant est en bonne santé. Résultats relatifs au dépistage d'agents pathogènes fongiques seront fournis par le BSAA. Ok, c'est le BSA. Rose va bien. Bien sûr que Rose va bien. On s'est encore disputé, Mia et moi. J'ai eu le malheur de parler de ce qui s'est passé il y a 3 ans et ça l'a fait sortir de ses gonds. Maintenant qu'on a pris nos repères dans cette nouvelle vie en Europe, on va pouvoir se consacrer à Rose. Quand même l'impression qu'une partie de moi a encore du mal à tirer un trait sur ce qu'on a vécu en Louisiane. Ils ont été très choqués. Alors pour le coup, c'était très violent ce qu'ils ont vécu dans Biohazard. C'est vraiment, ils se sont fait kidnapper, ils ont vu des virus, ils ont vu des trucs. Tu sais que Mia n'aime pas en parler. Surtout, Mia, elle a été captive longtemps avant que son mari arrive. Mais est-ce qu'on peut vraiment tout oublier et faire comme si rien de tout ça n'avait existé? Je pense au contraire qu'on devrait faire face à notre passé pour mieux construire notre avenir avec Rose. En tant que parent, on lui doit bien cela. Je suis sûr que Mia en est consciente, elle aussi, elle n'aurait pas explosé comme ça à l'hôpital si ce n'était pas le cas. Ok, donc c'est un peu conflictuel parce que bah, elle est encore choquée, hein, finalement. C'est la peluche. S'armer pour la survie. Pas étonnant que je devienne parano. Ouais, je l'ai fait. Je l'ai fait le 7. Très sympa, mais ouais, très sympa. Arrête, c'est bon les screamers là. Oh. Je suis en flip. Je l'avais fait. Alors, très sympa mode de jeu un peu de la même manière. En first person shooter. Mais ouais, non, très sympa. Très très sympa. Alors, ma petite loot. T'es où ma petite beauté? Ça se cuisine à manger là? Et petit repas. Oh le pain! Putain, ça me donne faim cette histoire là! C'est mieux que ce que j'ai mangé. Mais il y a même du vin. Regina Rosi! On se boit un petit Regina Rosi! Par contre, il y a pas mal de bouteilles de vin. Ça va, Michel? Il y en a partout! Il y a 12 repas! Ça a été? Elle Très bien. dort comme un bébé. Bon Mmh, Beaujol. ça sent bon, ça, c'est quoi? Eh, hey, bats les pâtes. Wow! Eh C'est une oh, gerba de légumes, une recette locale. Magnifique. Waouh, tu t'adaptes vite, toi, hein, on dirait. C'est Même super le ce que tu vin est fais. du coin. Ouais, ben. Mais si c'est pour faire la tête toute la soirée, il vaut peut-être mieux que tu touches pas. Oh. Il faut vraiment que tu arrêtes de t'en faire. Je sais, ma Ok. chérie, mais. Te retrouver en Louisiane, la grossesse, Chris qui nous amène ici, l'entraînement militaire. Tout s'est enchaîné si vite. Mais au moins on est ensemble. Mais voilà, Toi, aimez-vous un peu là. moi, Rose. Ah ouais. Maintenant,
Je suis sûre que Sérieusement ? Tu crois qu'on peut faire comme si rien ne s'était passé en Louisiane ? Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Franchement, je comprends pas pourquoi t'es si... Wow ! Pardon ? Mia, baisse-toi ! Attends, quoi ? Oh la vache ! Bah ouais. Comment elle s'est fait déglinguer? Oh non. Oh, c'est Chris. Qu'est-ce que tu fous? Désolé, Ethan. Non. Putain. Pourquoi? Mais rigole pas, Chris. Oh putain, la vache. Oh, le Chris Redfield. Avec la voix de Jason Statham en plus. Je peux dire que... Avance. Eh oh, eh. T'arrêtes un peu, là. R.A.S. Rose, qu'est-ce que vous foutez avec ma fille? Nous l'avons, monsieur. Emmenez-le. Je vous interdis de la toucher. Ethan, non. Tiens. Putain, le Chris Redfield, il est... Sortez-le d'ici. Ouais, c'est Chris Redfield. En... Oh. Moins pixelisé, du coup. Qu'avant. Sacrément badass, le Chris. Hein. Bon, bah, super, ça valait le coup d'aller la coucher. Petite rose là. Allô? Oui, docteur. Bonjour, monsieur Winters. J'ai les résultats de votre fille et j'aimerais vous voir pour que l'on en discute, disons, jeudi prochain à 4h. Parfait. On y sera. Ouais, donc il y avait un truc avec la fille. C'était le docteur. Ouais. Rendez-vous la semaine prochaine. Pourquoi elle sent rien, la meuf là? Allez. Je croyais qu'elle avait pris l'antidote. Au début, elle se prend une balle et elle a rien. On a déjà parlé. Je sais. On ne parle quasiment plus que de ça. Et pour la énième fois, ce n'est pas Rose qui m'inquiète. Mais alors c'est quoi qui t'inquiète? Dis-moi. Elle ira bien, j'en suis sûr. C'est ce qui compte, non? Et nous, dans tout ça, je tiens à toi. Tu vois pas que... Mais de quoi est-ce que tu me parles? Y a quelque chose que tu m'as pas dit? Vas-y, parle-moi. Merde. Que je réponde. Ah ça, surtout jamais faire passer en priorité le boulot par rapport à madame. Jamais, jamais. Oh. Jamais faire ça, putain. Oh, coucou. Ça va, mon cœur? On a commencé tranquillement, hein. On a commencé la tranquillade. Bah ça va, ça va, ça va. On a commencé tranquillement, là, c'est sur les chapeaux de roue. Pauvre monsieur, il a perdu sa femme et sa fille, là. Pas trop tôt. Où sont les tours? Vous avez recollé? De quoi est-ce que vous parlez? Où est Chris Redfield? Et Rose? Je te jure. Oh là, oh là, ils se sont fait intercepter pendant le trajet, là. Merde. Oh là. Ça commence, monsieur Lama, ça y est. Ok, ok. Il est hors d'usage. Abattre la cible et récupérer le corps. Sécuriser Rosemary Winter et Ethan Winter. Transporter Winter jusqu'au site C pour des examens approfondis. Au moins deux soldats devront l'être. Voilà, donc, alors, que je t'explique, Makeke, ce qui vient de se passer. En gros, c'est ceux du 7. Donc, ils ont vécu pas très loin, ils se sont fait accueillir par des gens qui avaient un virus, tout ça. Il l'avait mis dans sa femme et lui. Ils ont eu l'antidote, ils ont survécu, ils ont fait un enfant. Et là, Chris Redfield, oui, le Chris Redfield du 5, il est revenu, il a tué sa femme. Enfin, tu vas battre la cible. Et il a chopé sa fille et le personnage qu'on joue.
Et là, du coup, ça vient de, il vient d'avoir un accident, et puis tu vois, on vient de se réveiller. Donc, visiblement, il fallait qu'il tue la femme. Il y a un truc bizarre. Ah, j'ai quand même l'impression que ça rend le truc un peu plus immersif. Hein. Oh là, on est un peu mal en point. Ah, le clignotant. Ah voilà, il avait pas vu. J'ai quand même la... Ok, j'entends déjà des bruits, sa maman là. Ok, des traces de pas. Je pense que la femme, elle a encore le virus. Ah, sphère. Elle a encore le virus, à mon avis. J'entends des choses. J'entends. Allô? Ouais. Élève-moi cette purée de lumière, là. Pourquoi il la met pas devant lui? L'autre, il la... Oh, oh, oh. Qu'est-ce que... Arrêtez, hein. L'autre, il la met vers le sol. Quel trou de balle. Oh. Arrêtez de faire des bruits autour. Ah, sphère. Hop là. Aïe, ouïe, aïe. Ça... Ah, le con. Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. Mais que... Et ça va. Mataro. Allez, bat. Waouh, le corba qui s'est fait déglingue. Oh. Mais c'est qui? Ah. Très sympa. Ah mais putain. Ah putain. Ok, 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 ok. Ça va là, cassez-vous là, cassez-vous là. Je sens que ça va être dur ce jeu. Je sens que ça va être dur. Arrêtez la fumée. C'est qui? C'est qui? Mais il y a des créatures. Oh 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 oh. Il est juste devant. C'était un Uruk-hai. Ah le salaud. Comment il s'est barré? Là 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 là. Oh, c'est de la boue. Ok ok ok. Poubelle. Maison. Ok. Pas de maison. Mais des poubelles. Oh là, oh là, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une cabane de type cabane. Hein. Je suis pas fan, hein. Mais s'il te plaît, lève ta lampe torche. Qui vise comme ça? Quel con! Putain, par contre, c'est trop bien fait. Je suis en panique. Y a pas des soins là? Y a pas le Red Nine? Donne-moi du soin là, donne-moi du soin là. Ouais. Allez hein. Ciao ciao. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qu'il fait? Ah. Ok. On arrive dans une espèce de... Ouais, il y a de la pomme de terre, dans une espèce de baraque abandonnée là. Ah, il y a une bière. Voilà. Aïe, 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 l'aventure, ça va ou quoi? Ça va ou quoi, mon petit loup? Ça va, la forme? Alors, juste pour te repréciser, pour que tu puisses suivre, en gros, ça suit, du coup, le 7. Le 7 où un couple avait été enfermé avec une famille qui avait un virus particulier très bizarre. Ils ont survécu, Chris Redfield était intervenu, il a donné l'antidote à tout le monde, machin. Ils ont réussi à survivre, ils ont fait un enfant entre-temps. Et là, Chris Redfield est revenu, a tué sa femme. Je suppute qu'elle avait encore le virus, parce qu'elle n'est pas vraiment morte, on ne l'a pas retrouvée là, parce qu'il y a eu un accident. Et ils ont enlevé l'enfant et lui. Et en fait, ils ont eu un accident au moment de transporter, et du coup, bah, on ne sait pas ce qu'il a de bien du reste. Et là, tu vois, on vient de voir quelqu'un dans la pénombre. Là, il y a un lit. Il y a des médocs. Ok. C'est le bazar. Oh! Ok, ok. Quoi ce bordel? Ok, 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 ok.
C'est quoi toutes ces affaires bizarres là? Quoi ce mec là? Ah, il y a du sang! Waouh! Mais il y a du sang partout là! Oh la vache! Oh, l'immersion est totale hein! Bah oui! Allons vers notre mort! Donne-moi la lumière! Voilà, c'est très sympa. J'ai sursauté pour un corbeau tout à l'heure. Donc là, j'imagine que bon, je suis en plein décès. Qu'est-ce que c'est? Ah. Ah, mais non! Ok. Arrêtez. Putain, le salopard. Ah, vas-y, montre-toi. À un moment donné, on se bagarre. Et puis, il s'est enfermé, le con. Bon, bah, let's go. Hein. Allez. Attention! Oh, les bâtards! Attention, maintenant. Ok. Maintenant, voilà. Putain. Oh, le jeu de dingue. J'ai pas envie d'aller là-haut. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais ça court, mais je... Bah... Qu'est-ce qu'il fait, lui? Jean-Michel Rampage. Putain, mais... Bah oui, c'est du sang, du con. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé, là? Qu'est-ce qui est l'attaque? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais ouais. Pourquoi il fait jour, là? Ah... Merci, mon petit loup. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Ça se les déglingue, la gueule, hein? Waouh. Ok. Ok, ok. Putain, c'est trop, trop stylé. L'environnement est fou. Ok, on peut accélérer. Ok. On peut se sprinter la gueule. Oh, il y a un village. Et où est-ce que je suis? Putain. Oh, il y a un château! Un château! Oh oui! Oh oui, 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 oui! Je vais aller au château. Je vais aller au château! Oh là, oh là, oh là, oh là! T'énerve pas, Jean-Louis! Mais dis donc, ça m'a l'air super tout ça. Jean-Michel Le Perse. Ah oui, 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 oui. Mais ça m'a l'air en bon état. Peut-être qu'ils sont sortis. C'est encore chaud. C'est du vomi. Oh la vache. Il y a du sang un peu partout. C'est quoi ces baraquements là? Arrête. Arrêtez de me faire peur. Arrêtez de m'effrayer toute votre vie. Mais je suis pas un truc là pour défendre! Qu'est-ce que. Je m'énerve quand je suis pas niqué. Ah, l'immersion est totale hein! L'immersion est totale hein! Il faut un objet. Oui. Donne-moi l'objet. C'est de là d'où on vient, ça? C'est de là d'où on vient. Ok. Mais c'est quoi ces bruits-là? Mais c'est pas des corbeaux qui font ce bruit-là! Te fous pas de ma gueule! C'était la blague. Blah. Ok, ok. On se le visite ce petit village là. Très très sympa. Ok. Bah reste fermé du coup.
On se le visite. Ah ouais. Ah, on est dans l'ambiance. Il y a encore des trucs là-haut. Ah, il y a un symbole. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Pas envie de savoir. Là, 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 là. C'est Charbonville. J'avoue. Ok. Ah, il y a des teutés. Ok. Il est encore allumé, qu'est-ce le... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce bordel? Cimetière, atelier, lieu de cérémonie. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est ça, cette petite note là? Ok. Ok. Est-ce qu'on peut faire un truc dans ce jeu sinon? Je suis dans le... La vie est dure, mon colonel. Putain, mais ouvre-toi là! Ok. Ouais, vas-y, fous-le le coup de latte là. Ok, parade. Ah ah! Ut. J'ai pas d'arme. Détruis-moi! Oh le couteau! Oh le couteau! Ok, let's go! Bridget. Nice! Tu remèdes là. On peut ouvrir l'inventaire. Oh, il y a un système de... Ça, c'est pour Mad. C'est pour Mad Gaming, ça. Nice. Ok. Et c'est... Comment j'ai... Non. Ok, il y a même une carte. Cadenas. Clé en fer forgé. Oui, bah vas-y, toi, nique-toi. Et comment... Ah oui, c'est ça. Ok. Confection. On peut se confectionner des petits trucs en trouvant des objets. Ok. Ah, c'est très... Ah, tu vois, j'aurais été sur cette pierre, ça. You're my... Welcome. Got some rare. Get... Ok, on va lui foutre des coups de latin, Jean-Michel. Attention, j'ai un couteau. Ah, malheur. Quelqu'un vit forcément ici. Oui. Et qu'est-ce qu'il cuisine, là? C'est tout, Jean-Michel? T'as d'autres choses intelligentes à dire? Eh, il y a des lits. Oh, on peut ouvrir. Ok. Attention, j'aime pas ces trucs-là. Ah, non, 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 du calme. Du calme. Oh, le bâtard. Qui êtes-vous? Qui vous envoie? Personne. Il y a eu un accident sur la route. Chut. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Oh non! Ils arrivent! Qui ça? C'était quoi ce bruit? Vous avez un flingue? Quoi? Dites-moi que vous avez un flingue! Ouais, il est terrifiant! Pourquoi? Donne-moi, donne-moi, donne-moi! Donne-moi, donne-moi! Ok, let's go! On te suit, Michel, hein? Mais il est malade, ce mec. Vous allez me répondre. Putain. Il n'aura pas vécu. Voilà, oh, vache. Qu'est-ce que c'est? Mode photo. Qu'est-ce qu'il... Putain, on s'est fait... Putain, la vache. On s'est fait agripper le pied, là. Oh la vache! Bah voilà! Là c'est un peu mieux là! Oh waouh waouh waouh! Qu'est-ce que. Qu'est-ce qu'il me veut? Attention! Bon. Oh la vache! Bah y en a bien qui va m'agripper le bras et qui va dire. Aaah! Mais putain, c'est quoi cet endroit? Ah, c'est qui? C'est qui ça? Bonjour. Puis-je vous aider? Ah putain, j'en ai pas sûr, sa mère. Quoi, la vache?
Oh non, foiré. En effet. Bagarre, bagarre, bagarre. Sors le flingue, mon con. Oh. Attends. Ah putain. Culé, je connais pas les boutons, moi. RB, ben pourtant c'est ça. Putain, bah, attends. Et oh, le frérot, là, tu commences pas, là. Tiens. Ok. Il est vivace, hein. Il est vivace, le con. Ok, ça commence. Let's go. Ouais, ça va, oh, frérot, là. Non, c'est pas vrai. Putain, la vache. Ok. Bon, ça va. Ça va. Putain, je vais déglinguer la gueule. Mais l'autre... Il lui faut 49 balles. Ouais, ok, bon, je peux pas mourir. Je me casse d'ici. J'ai usé toutes mes balles comme un connard. Et il faut un objet. Et merde. Ok, bon, au moins, j'ai la soluce. J'ai plus de balles, du coup. Putain, quel con. J'ai plus de balles, mais j'ai la soluce. C'est pas mal. Ah, je me suis fait défoncer. Il est parti, du coup, le con. Ah, le bâtard. Ouais, bon, je crois que les balles... Ok. Complicade. J'aurais peut-être pas dû m'acharner sur lui comme un troubadour. Donne-moi des balles, petit con. Ah purée, je me suis fait déglinguer. Qu'est-ce qui se passe? Attends. Oh oui. Ça, on dit oui. Hein. Je sais pas si ça va me servir à grand-chose. Mais... Rien. Ok, ça merde. Putain. Ouais, c'est bon. Mange mes couilles. Ah, bâtard. Ok. Ah, t'as... Ouais, donne-moi les balles avant. Pitchimix, ça marche. Ok. Vite, on se casse. Ah, va-t'en, saleté. Je suis bloqué, sa mère. Comment on fait? Comment on fait? T'es pas beau. Ah, ça va. Mais comment? Comment qu'on fait là? Moi, je suis bloqué ici cette année, hein. Je suis bloqué. Allez-vous-en. Comment on fait? Chien. Ah, le salaud. Ok. Ah là, c'est... Ça va être... Ok. Ça marche, mon frérot, ça marche. Ah, du coup, donne-moi les balles. Ok, bon, il te fait. Il sort d'où, lui, Jean-Mich? Je sais pas ce qu'on peut faire, là. Ah, ça se passe super, là.
à peine chaud comme... Ah, vas-y. Viens pas là, viens pas là. C'est où? Et comment qu'on fait là? Comment qu'on fait cette année là? Ok, là c'est baiser. Putain, c'est lui. Genre. Oh, ok, ok, ok. Ah, le salaud! Putain, comment tu veux? Ok, bon, c'est intuable, ça marche. Espèce de chien. Je suis déjà bloqué. Mais putain, faites des... Ok, objectif. En même temps, ils me disent de consulter la carte et moi je la consulte pas. C'est aussi un peu de ma faute. Oui. Oui. Ok. J'ai mis en hardcore. Ok, faut que je trouve comment me barrer d'ici. Ça c'est bon, maintenir. Ok. Ok. Je crois qu'il y a des timings pour l'étourdir un peu. Il y a des timings, je crois, pour l'étourdir un peu, mais c'est trop dur. Ta gueule. Vas-y, viens là. Oh, oh, oh. Ah, vas-y, c'est trop dur. Mais comment je peux sortir? Putain, il me laisse pas le temps. On va y arriver. Ah, mais les objectifs, c'est quoi les objectifs là? C'est bien marrant, toi. Merde. Ok. Ça, non. C'est ici, là. C'est là que ce chien, il arrive. C'est d'ici que tu passes le chien. Je patiente tranquillement. C'est de là qu'il vient. Putain! Là tu vois! Ok, on est pas mal, on est pas mal. On se bat mieux. On se bat pas trop. En fait, il y a un timing à viser dans la tête, mais putain, faut être vachement précis, hein. Oh, j'ai eu. Oh. Premier ennemi, ok.
Hey, baise you over, motherfucker. Ça marche. Ok. Ça y est. Oh, en fait, fallait juste le buter. C'est juste que je pue la merde. Flawed viewers, fan, scan, fan. Oh la vache! S'il y a le moindre survivant, venez chez moi. Venez chez Louis, la maison près des champs. Des survivants? Ok. La maison près des champs. Vas-y, Eh, maintiens, frère! La maison près des champs? Cadenas. Cadenas. Par contre, il me... Qu'est-ce que, comment on fait là? C'est parce qu'il m'inquiète un peu en fait. Ah, vous êtes des malades. Gagné. ouais, mais parce qu'ils sont là en fait. Je les vois, ils sont autour de moi. Arrête, tu me fais peur mon con. Oh non. Vite, mais prends le fusil, ta mère. Ok, let's go. Ok. Ah, on y va. Putain. Je suis en panique cette année. Baissez-vous. Je sais pas où je suis. Ah, dégage-toi, ta gueule. Waouh. Arrêtez, c'est où la maison? Waouh. Merde. Pourquoi vous me faites ça? Laissez-moi vivre. Oui, de ouf. Ah, mais ça me stresse trop. Cassez-vous. La maison près des champs, c'est où la route? Aidez-moi! Je suis retourné en arrière! J'étais de l'autre côté! Ok, skip. Toi, ça dégage, noobs. Ok. Arrêtez! Oh! Ok, on va peut-être pouvoir faire un truc, Peut-être pouvoir faire un truc. Venez là! Bim! Ça dégage, noobs. Merde! Et merde. Compliqué là. C'est peut-être pas ça la technique. Ouais, mais arrête de bouffer la tubs. On va y arriver. Les débuts sont difficiles après une fois qu'on est habitué au jeu et tout. Oui. C'est où là? Ah ok. Ah, il me remet là. Wouah. Eh oh. Ah. Oui. Ah, ça va, oh, mon grand, je suis désolé, mais t'es un peu en train de chier là. Ah putain, ouais. On peut lui faire un soin à ce mec là? J'ai pas de plante. Elle est où la plante là? Et comment j'ai eu la plante tout à l'heure là? Comment je me la suis fabrique? C'est dehors? Bah merci à vous d'être là. Hein. C'est incroyable ce qui se passe. Allez. Il n'y avait pas la plante? Bah il y a un chat apparemment. Bon. Ouais, il me semblait qu'il y avait une plante. Bande de pute. Ah ouais, mais je gâche une balle. Qu'est-ce que je fais? Ah, faut que je me confectionne un truc là. On va se le foutre le soin là. Je suis complètement perdu là. Ça joue avec mon cul là. Ok. Ok, let's go.
Ok, plante. Il y a quoi d'autre? Il y a le fusil. Prends-le, le putain de fusil. Ok, non. Les balles. Hop là. On se dégage la gueule. On se la dégage, on se la dégage. Les petites balles, la petite ferraille, on s'en fout. Hop, ça dégage. Ok, alors, faut que j'aille tout droit. Ah, pourtant, c'est simple. Et merde. Non, mais je me trompe de bouton! Ah, on peut se protéger, ouais. Protection. Protection. Je me trompe de bouton! Ok. Je vois, il va se la jouer hardcore. On va se la jouer hardcore. Ah, vous avez voulu, hein? Va falloir supporter les Die and Retry, hein. Allez, allez, allez! Allez, là! On se chauffe, C'est fini. Par contre, si je le finis hardcore, bah, je pense que ça va mettre 1000 ans à le finir. Vas-y, vas-y. Allez, on se chauffe, on se chauffe, on se chauffe. Allez. Focus, focus, focus. Vas-y, bah, on va chez toi, on s'invite là. Vas-y. Ah, attention, t'as la main qui saigne, mon con. Allez, bouge là. Je vois tout en flou. Hop. Allez, ça dégage les noobs. Ah, gras. Ok. C'est pas ça. Je vais y arriver avec les touches, hein. Ok. Hop là. C'est la tartine, la gueule. Ok. On peut se protéger comme ça. Bam. C'est parti. Go, go. Speedrun. Hop. On se le prend. Laisse-moi prendre ça. Bam. On se le prend. Let's go. Il y a les petites balles là. Bam. Ça dégage. Oups. C'est pas grave, mon grand. Blam. Là, il y a Jean-Louis. Là, ça dégage. Oh, ah, lui, il était pas là tout à l'heure. Ah ouais. Ok. C'est pas mal. C'est pas mal. Descends. Faut une clé. Mais après, là, on est bloqué un petit peu. Je sais pas si c'est... Je sais pas si le but c'est de la survie, mais c'est hardcore. Hein. Faut que je me protège. Compliqué. Je sais pas où faut aller. Bon. Ok. C'est fini. Allez, bouge. On s'en fout de ce qu'elle raconte, la meuf. Ok. Ok. Autre chose. Ok, de la poudre. Et merde. Ok. Survie. Oh putain. C'est bien ce qui me semblait. J'ai mis cher à ce con-là. Bien ce qui me semblait. Putain. Ok. Ah, je sais pas viser. Ok.
Quoi? Il y en a de plus en plus. Tu vas me la foutre. Tu vas me la foutre, grand con. C'est où, là? Oh. Compliqué, hein? Compliqué, ce qui se passe. Allez-vous-en, bande de connards. Allez-vous-en. Je veux pas mourir. Allez-vous-en, on fait une boucle. On fait une boucle, on fait une boucle. Ok, ok, ok. Ok, on a tenu déjà, on a tenu. On fuit, on fuit, on fuit, on fuit, on fuit. Ok, ok, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Tiens le coup. Je crois qu'il faut survivre. Ah, le salaud. J'étais pas passé par là déjà. Oh là, oh là. Ça commence à flamber, ça commence à flamber. Vite, 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 vite. Venez, venez. Les bandes de connards. Merde. Ok. J'y crois pas. Allez, bâtard. Vite, 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 vite. Allez, non. Je vous en supplie, j'ai quasiment. Je vous en supplie, j'ai le cœur qui bat la chamoude. Pardon? Mais regarde ce qui arrive! Ah, c'est quoi cette histoire? Mais. Un peu de respect, s'il vous plaît! Oh! Non, faut que je survive. Faut que je survive. Attends, et toujours plus, putain. En fait, il y a tout qui commence à flamber, il faut que je survive. Mais laisse tomber, il faut que je trouve un... Vas-y là, ouvre-moi ça. Il faut que je trouve un... Faut que j'arrive à... Ouais. Je trouve un tour à faire, mais il y en a beaucoup. Compliqué. Bah le truc, c'est que j'ai 3 balles et les trucs sont intuables, quoi. Ce serait dans Resident Evil 4, je me foutrais dans un coin avec un fusil à pompe, je ferais bam, bam. Puis gagné. Mais là, je cache pas, les mecs, ils sont tellement. Je sais pas. Après, c'est peut-être. Il doit mal négocier le truc, hein. Il doit y avoir moyen de. Ok. Il doit y avoir moyen de moyenner, hein. Garde-le, lui, avec son coutal, là. Son coutal de pute. Regarde-le, regarde-le. Alors déjà. Regarde-le. Moi. Ok. Oh, j'ai eu des likes. Mais propre. Oh. Mais putain. On y arrive, si on y arrive un jour, on sera content. Hein. C'est ciao là-dessus. Ah putain. Putain la vache. Ah les chiens. Oui, je vais fabriquer ton remède là de con. Hop là. Allez, oui, vous êtes pas content. Moi non plus, je le suis pas trop là. Ok. Et merde. Ah, j'avais pas vu, regarde, t'as vu ce qu'il y avait marqué? Je peux aveugler les collègues. Regarde. Je sais pas où. Je sais pas, ils viennent de où. Je peux les aveugler. Ok, ok, ok.
Mais calmez-vous, mais calmez-vous. Voyons. Il a pas volé celui-là. Il était où? Chien là. Balle un peu gâchée celle-ci. Mais putain, il me l'a saoulé. Oh non, j'ai oublié d'ouvrir. Oh bah, tiens. Ça flambe cette année, hein. Bah le mec, mais il meurt jamais. Ah, je pue la merde, ça me rend. On va se marrer, on va se marrer. T'inquiète pas, le jeu, je suis plus patient que toi là. Tenez le coup, tenez le coup. Il y a un moment où je vais y arriver, tenez le coup. Ça y est, c'est fini. Pousse-toi là, dégage. Ok, on peut retourner là-bas. C'est moi trouver des trucs. Petit fluide des familles là. Voilà, petite plante là. Ça c'est bon ça. Ok. Pas des trucs là. Ok. Ça, c'est la maison de tout à l'heure. Ok. Oui, je sais. Ferme-la. Va pas te la fermer, ta petite gueule. Ah. Joli rototo. Mais c'est là où j'étais. Putain, je fais n'importe quoi. Allez. Donc. Ouais. Ça commence déjà? Oh! Bon, bah, je suis foutu, les potes. Bon, on recommence. Allez, tue-moi, ça chie. Ok, on va aller chercher. Je sais pas pourquoi lui il était là, c'est... putain. C'est fini. Oui, ferme-le. Putain, c'est la maison d'en face qu'il faut que j'aille voir. Ah, oh, mais ferme-la ta gueule. Il y a moyen d'avoir de soin. Ok, je crois que j'ai 2 soins. Nice. Allez. Venez les potes, je vous attends. Ok. Et merde. On va essayer. Ok. Le mec. Ah d'accord.
Quelle heure là, 16h? Putain. Putain, merde. C'est fini. Écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis très têtu. Oh les bâtards. Ok. Chien. Non. Ok. Ça va aller. Ça va aller. Et merde. Ok, c'est bon à savoir. Clac. Là, je suis un peu énervé. Oh, ça me saoule. Allez, putain, c'est quoi ce jeu? Un jeu bien hardcore, d'accord, mais... Ah, c'est bon, on est au tout début. Fais-moi le hardcore après. Putain, tu les shootes, les ennemis, ils bougent pas. C'est fini. Oh, allez. Si on tire dans les jambes, est-ce que ça fait quelque chose? On n'a pas essayé de tirer dans les jambes. On va pas essayer. On n'a pas essayé. Des survivants. Ok, ok. Non, il se passe que c'est en hardcore et du coup je suis à la première zone du jeu et que je suis complètement bloqué. Parce que je pue la merde! Bah ouais! Tu dis let's go, ça va mettre de l'enjeu, ça va mettre du. Mais vas-y. Okay. Ils sont trop forts. Et merde. Et complètement craqué. Ils ont complètement craqué les mecs. Mais il est déjà là, lui. Bonjour. Passer par là pour voir. Et si on se la passait par là? Ah oui. Ils ont complètement craqué. Si je tire... Mais comment tu veux viser les jambes? Jamais on visera les jambes. Et merde, je suis en train de m'enfermer comme un trou de balle. Il y en a de plus en plus. Oh putain. Oh putain. Ok, esquive, esquive. Ok, 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 ok. Ça tient le coup, ça tient le coup. Une balle. Et merde. Quel con. Laissez-moi vivre. Laissez-moi vivre. Qui me bloque? Chien. Oh. Oh, comment je lui ai mis dans sa chevron. Dans sa chevron. C'est ça qu'il faut que je fasse, que je déverrouille. Comme ça, je peux tourner autour de la maison. C'est dommage, hein. J'ai... Ah ouais, mais nique ta mère. Ah,
trop con. Faut que je déverrouille. Allez. On n'est pas loin, on n'est pas loin, on n'est pas loin, on n'est pas loin. On est pas loin. On n'est pas loin, 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 on n'est pas loin. Tenez le coup, on n'est pas loin, on n'est pas loin, on n'est pas loin, on n'est pas loin, on n'est pas loin. Il se la gémit, hein. Il se la gémit, la petite tronche, là. Ok. On va aller ouvrir ce foutu portail de con. Merci. Merci, mon con. Il veut plus me donner maintenant la petite plante là. Ce chien. Allez, prends-le, ce putain de fusil. Merci, mon grand. Et merde. Ok, ok, ok. On va essayer par là. Ok, ok, ok. Bim, ça dégage. Par contre, la sensation de shoot est très sympa. Ça, je vais me la... Oh, il y en a un, je t'ai vu. Il y en a un de l'autre côté. Je l'ai vu. Non. Un petit peu. Merde, mais je suis con. Je refais la même erreur. Quel con. Ok. Il y en a de plus en plus. Il est déglingué, lui. Et merde. Ok, ok. Vas-y, saute par-dessus, mon grand. Le chien. Ah, il me l'a chopé. Il me l'a chopé. Oh, c'est bon! Putain, je perds toute ma vie en 2 secondes! Ça se la crame, ça se la crame! Tuez-les! Oh, monte! Ta race! La... Je sais pas quoi faire. Non mais c'est fini. C'est plus hardcore, c'est impossible. Juste c'est juste impossible. Je sais que je suis pas très fort au jeu, mais faut arrêter de déconner. Ils te mettent juste 120 000 adversaires qui ne réagissent pas quand tu leur tires dessus pour viser absolument la tête. Truc quasiment impossible parce que quand ils bougent, ils sont comme ça les mecs. Il te donne 2 balles de fusil. Tiens, débrouille-toi, vieille pute. Vieille pute que tu es. Ok, allez. Munition pour pistole, la petite plante, le petit truc, je me refais une deuxième petite plante, hop là, on recharge ça, on se prend ça, tranquillou, on se la saute ici, la petite gueule, hop là, la petite ferraille, petit Jean-Louis il est là, hop, on connaît par cœur. J'ai pas été dans cette maison, je crois. Est-ce qu'on peut rentrer? On peut rentrer, hein. Dégage. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? Oh là là, c'était là. C'était sous notre nez, finalement. Et en plus, on peut s'enfuir. Hop.
Ça dégage. Il va où le type là? Ouais. Je me prends quoi là? Tu t'y en as de plus en plus. Ouais, mais ça dégage. Qu'est-ce qui se passe là? Oh. Ah bah voilà, j'ai trouvé l'astuce. C'est... Finalement, c'était sous notre nez, putain. Allez, cramez-moi ce village là. Oh. Finalement, c'était là. Hein. Oh, il y a un truc là. Putain, on est obligé de faire ça, quoi, sans déconner. Wouhou. Pardon. J'avais pas vu venir celui-là. Le chien. Vite, vite, soigne, soigne, soigne. Oh, le chien. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Viens, 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 cours, cours. Et merde. Wow. Wow. Mais c'est quoi cette merde? C'est quoi? Mais même quand je trouve un bug, ça va pas! Mais putain! Mais quel chien! Mais c'est pas possible! Non, mais c'est pas possible. Je... Ah, arrête de gémir là, toi, putain. Alors, bon, au moins on sait vers où aller. On peut se récupérer des petites balles de dragon là. Ok, ça se la récupère, ça se la récupère. Ok, et bien. Il y en a du stuff, il y en a du stuff. Ok. Je connais le truc par cœur. En même temps, après l'avoir fait 122 fois. Qu'est-ce que je fais? Allez! Calmez-vous les cons. Bah écoute, j'ai trouvé ça là, c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal. Faut juste que je vérifie bien des deux côtés. Il y en a de plus en plus. Comme par hasard. Putain, ça me rend ouf.
Oh, ouais. Je pue la merde. Je pue. Allez. En vrai, la technique est bonne là. Faut juste que je sois bon au jeu, c'est tout. Tout simplement. C'est j'arrive fini. À viser. C'est fini. C'est gentil. C'est gentil. Là, c'est plus l'horreur là, c'est des jeux d'énervement là. Là je. On est sur un truc. Est-ce tombé quoi? Est-ce tombé? Ok. On se la récupère, un petit poudre là. D'ailleurs. Attends. Parce que là j'en ai un. Ok, je peux en faire un deuxième. Je peux juste faire des munitions de pistolet, poudre noire et ferraille. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'il fout là, ce chien? Putain. Oh, il me bloque! Oh! Allez, ça dégage. Ferme-moi la porte. Mais ferme-la! Je te jure, putain. Allez, on a deux balles. Il y en a de plus en plus. Oh, oui. Ah, c'est bon. Ok. Putain, j'en ai tué un, je reviens pas. Putain, j'en ai tué deux, je reviens pas. On est tombé. Il m'a fait tomber le con. Ah non. Là, je suis tombé. Pourtant j'ai des réflexes hein. Sa maman. Sa maman. Oh ta oh. Dégage. Ouais mais je le fous le truc. Mais c'est pour ça que je monte là-haut après. Ok, voilà l'autre. Ok. J'ai été terrible. Mais. Quoi ce bordel là? On est où là? Mais dans la maison où j'ai le fusil, je mets un truc pour me garder, pour me barricader, mais ils arrivent. Après ils le détruisent le truc. Tu vois là, ils l'avaient détruit. Le truc il est en bois. Donc ils le détruisent, puis après c'est bon. Franchement, ouais. Franchement, c'est chaud. Allez, oh, c'est quoi, l'autre il s'est endormi. C'est fini. Bâtard. Putain, je vois des ombres maintenant. Mmh.
Ouais, bah ouais, ouais, sur le toit, c'est pas mal. Sauf que j'avais trouvé le bon timing là pour les virer à l'avant. Mais le truc, c'est que après, il y en a un qui était monté par l'arrière. Et là, des deux côtés, c'est trop dur. Des deux côtés, c'est trop trop dur. Non, arrête, eh oh, bouge là. Oh, elle commence à me griffer les doigts de pied. C'est pas le moment, le chat. J'ai déjà assez de balles dans le jeu. Si tu t'y mets, ça va pas le faire. Tu vois, là, je barricade le truc. Mais après, ils le détruisent, puis bah voilà. J'ai plus trop de... Je peux plus trop après. Allez, recharge, ta mère. Ok. Ok, là, il est pas devant. Nice. Un petit peu de RNG. Peu de chatte. Hop, tac. Petit bug. Il est rentré ou pas? Ok. Allez. Clac. Ok. Ok. Il y en a de plus en plus. Wow. Putain, je suis tombé comme un turlupin. Oh, ça va, je cours là. Ah, vas-y, c'est trop dur. Ouais, puis je crois que... Ouais. Bon, il est quoi, il est 16h. Bon, je vais essayer une dernière fois. Si j'y arrive pas, je pense qu'on va arrêter là. Et puis je reprendrai le jeu peut-être en normal parce que ça me l'a fout. Je reprendrai peut-être le début en normal pour reprendre ici avec vous. Et là, ça commence à me la foutre. On tourne en rond. Donc je vais pas mettre 1000 ans, puis après refaire tout le début, là, c'est un peu long. Si, j'ai une touche pour me protéger, mais bon, je prends quand même cher. Faut des très bons réflexes, et puis si, je prends quand même cher. En fait, si tu veux, ça me fait perdre moins de points de vie, c'est pour ceux qui ont des réflexes, mais... Avec tout ce qu'il y a, ça change pas grand-chose, en vrai. Non, mais je pense qu'il faut être très bon au jeu pour faire ce mode-là. Respect à tous ceux qui y arrivent. Moi, je suis qu'une vieille bouse, donc donc on va arrêter. On va arrêter de forcer pour rien. Je fais perdre du temps à tout le monde. Ok. Deux soins. Pas mal. Allez, prends tes putains de munitions, s'il te plaît. Hop là. Et bien. Prends! Comme par hasard. Ok, pas mal. Oh, une petite plante là. J'en ai tué quelques-uns. Il y en a de plus en plus.
Oh. Oh. Okay, c'est pas mal ce qui se passe. Juste que je fasse gaffe là. Ok, c'est pas mal. Oh non. Ah vas-y, c'est trop. C'est trop. Il est où ce con? Et merde, quel con. Oh. Ok. Oh. Chien. Et merde. Ah, c'est... C'est bon, on peut survivre ou... Et merde. Merde. Je Mais ça se finit jamais. Oh. Mais c'est quoi? Ah! Oh! Oh si, ça y est! Putain, les bâtards! Oh, il y a des chevaux carrément! Putain, le chef là-haut, il est quand même bien stylé, hein. Il est quand même bien stylé, hein. Welcome. Attendez. Ah, putain. Bande de chiens. Merci mon loulou.
fait rien d'autre. Ouais. Faut un objet. Ok. Eh ben, dis donc. Dis donc. Oh, ah. Qu'est-ce que c'est ça? Ok. Là-bas, c'est ouvert maintenant. Et merde. C'était là. Et oui. Mais alors, qu'est-ce qu'elle veut, la vieille dame? Dans la vie et la mort, nous te rendons gloire. Madame! Restez pas ici, c'est dangereux. C'est quoi ça? Hé, hey, vous m'entendez? C'est toi, le père de l'enfant. Oula. Attendez, vous parlez de Rose? Elle est ici? Rose, oui. Elle court un grand danger. Depuis que Mère Miranda l'a amenée au village, les ténèbres se sont abattues sur nous. Mais de quoi vous parlez? De ces monstres? Le château annonce le malheur. Ils arrivent. Attendez, où est Rose? Qui est Mère Miranda? Le glas sonne pour nous tous. Ça y est, ils reviennent. Rose est ici? Putain. Waouh, elle a une sacrée ambiance, hein. Ok, un petit fruit. Icon loup démoniaque légendaire venu de... Ok. Elle a une vraie ambiance, hein. Purée. Cela pourrait être crocheté, ok. J'aime trop l'ambiance du jeu. Dommage que... Que je sois nul à chier. J'aime trop. Ah ouais. Eh, c'est trop la dinguerie là. C'est ça. Chef protège notre village de ses habitants du mauvais œil. Quiconque le détruit subira la colère de Mère Miranda. Ok. On va le détruire, hein. Ok, il faut des trucs. Ah mais c'est le château là. Ah ouais. Le château est juste derrière. Ok. Là qu'est-ce qu'on a? Forteresse, cimetière, Syrie. Ok. Ah l'ambiance est folle hein. Chercher les morceaux de relief. L'un d'entre eux se trouve dans l'église, l'autre a été confié à Luisa. Chercher les morceaux de relief. Ok. Oh, pour sauvegarder, c'est une petite... Ouais, bon, l'ambiance est folle. Bon, je vais arrêter. Je suis épuisé, je suis désolé. Je suis épuisé. Ça me l'a foutu. Ça me l'a foutu. Bon, en tout cas, c'était un plaisir. Merci beaucoup. J'ai réussi. Je sais pas si je reviendrai du coup en mode normal ou
Ou en mode difficile. Je vais voir, je vais réfléchir. Si on veut profiter de l'aventure, faut peut-être mieux que je le fasse en mode normal. Mais en tout cas, ouais, c'était un kiff. C'était un kiff. Je pense que demain, je reviens dessus. Et puis, je vais voir. Je vais voir. Peut-être revenir en mode normal, hein. C'est pas mal pour découvrir aussi. Parce que là, bon, je veux bien la difficulté. Si je prends 1 heure et demie pour chaque zone du jeu. Oh, je me suis senti nul. Bon, en tout cas, merci, hein. Merci d'avoir suivi, merci pour ce début. Ça n'empêche qu'on a découvert le jeu, qu'on découvre le jeu tout doucement. Et puis ouais, dans tous les cas, je pense qu'on va revenir au même endroit, exactement au même endroit, avec les mêmes objets, les mêmes trucs, et puis je reprendrai le live à partir de là, si jamais je le refais en normal. On va voir. Je réfléchis et on en reparle. Bon, bah, gros bisous. Merci à tous. Je vous kiffe d'amour de love. Et puis, gros bisous. Gros bisous, à très très vite. Thank you.